Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo mode. J'ai été contactée il y a quelques semaines de ça par le site chinois DressGal. Oui, alors autant vous dire que communiquer avec les Chinois, c'est super simple parce qu'ils parlent anglais au top. Je ne suis pas bilingual, hein, même si je me débrouille un petit peu. Donc j'ai envie de dire merci Riverso. Oui, Riverso, c'est un petit peu le site qui te permet de traduire un mail en anglais de chinois pour savoir un petit peu ce qu'on te propose. Donc, ils m'ont contacté en fait pour me demander si ça m'intéressait de tester leur site. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. Et si je voulais, donc il fallait que je choisisse des vêtements. Donc, j'en avais choisi 5 et ils m'ont dit voilà qu'ils m'en enverraient 3. Oui, je suis qu'une petite youtubeuse, hein, ils ne vont pas m'envoyer 25 vêtements. Bon, alors vous allez voir, les prix sont extrêmement élevés, hein, c'est du site chinois. En même temps, bah, c'est pas cher, mais voilà, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Donc, je vais vous donner mon avis. Je vous mettrai tous les liens des produits. Je dis ça comme s'il y avait 400 produits, hein, il n'y en a que 3. Je vous mettrai le lien des 3 produits en barre d'infos, le lien du site internet pour que vous puissiez aller voir ce fameux site DressGal. Mais j'ai envie de dire, grosse blague! Donc voilà, donc moi j'avais sélectionné 5 vêtements, malheureusement ils n'ont pas choisi forcément le mieux, mais bon voilà, après c'est pas grave, c'est moi qui ai sélectionné les vêtements, hein. Mais bon, il y a la photo et puis il y a la réalité. Je commence par quoi? Par le pire, par le... on va terminer par le truc le mieux, et puis on va commencer par par le moyen, on va dire. Donc j'avais vu sur leur site une robe, une longue dresse. Donc je vais me reculer pour que vous la voyez bien. Donc elle se présente ainsi. Donc en soi, si vous voulez la forme de la robe, hein, donc elle est comme ceci. Vous voyez là, vous avez une doublure jusqu'à peu près au genou. Puis après, c'est en voile. Donc je me rends compte qu'à la caméra, limite, on se dit « Oh, bah, ça peut être sympa !» Pas du tout. Je vous annonce que non, pas du tout. Donc c'est ma taille. Alors juste pour info sur les sites chinois, moi j'ai pris L ou XL, je sais plus. J'ai pris large. J'ai pris large. Non, XL, parce que ça m'arrive en France de prendre des fois du large sur certains trucs. Donc là j'ai pris XL. Donc c'est parfaitement ma taille. Et en fait la robe est arrivée donc comme ça. Donc ça a été très rapide. Hein. J'ai tout reçu en 3 semaines. Et la robe est arrivée comme ça sans la chaîne, si vous voulez. Donc la chaîne était à part. Alors, je vais vous la filmer de près pour que vous puissiez voir la chiperie de cette chaîne. Non, mais c'est absolument affreux. Et en fait, la chaîne n'était pas passée dans les, passants. Donc, vous voyez, là, il y a plein de petits fils qui dépassent. Hein, vraiment, la qualité de dingue. La chaîne n'était pas passée dans les passants. Et en fait, si vous voulez, moi, quand j'ai commandé la robe, je n'avais pas vu du tout que c'était une chaîne qui servait de bretelle, en fait. Et quand j'ai vu la robe arriver sans les... sans la chaîne, enfin la chaîne était à part, j'ai ouvert le colis devant mon homme. Mon homme m'a quand même dit « Ah, t'as pas dit zip ?» Donc, c'est-à-dire qu'un petit peu comme dans la vérité, si je m'envoyais quand il oublie de mettre les zips, ben, mon mec, il s'est dit pareil « T'as pas dit zip ?» Et ben en fait, si, t'avais dit zip, hein, mais il fallait les mettre. Alors, j'ai galéré au taquet pour mettre la chaîne parce qu'en fait, les passants sont super serrés et puis la chaîne est... enfin, voilà quoi. Donc, la robe en elle-même n'est pas moche. N'est pas moche, mais la qualité est vraiment hyper cheap. Jaune, moi, c'est une couleur que j'aime bien. Mais voilà, je ne la porterai pas parce que honnêtement, avec ces chaînes-là, c'est vraiment pas joli. C'est pas le genre de robe que j'aime. Ensuite, le deuxième article que j'avais sélectionné, c'est une blouse. Elle existait en 2 couleurs. Donc moi j'avais demandé en noir, il m'a envoyé en jaune. Donc ça après c'est peut-être une incompréhension, hein. Je vous dis le côté parler en anglais avec un chinois. Voilà. Donc là je l'ai pris en taille XL. Et ben c'est un peu serré aux hanches. Mais moi j'ai les hanches larges. Et surtout à l'arrivée, vous voyez, donc avec un fil qui pend comme ça. Personnellement, moi c'est pas possible. Alors en soi elle est mignonne. Hein, c'est, je trouve le côté un peu mignon. Mais par contre c'est pareil, c'est super cheap, donc le fil qui pend, enfin voilà, c'est pas du tout un truc que je pourrais porter. Je veux dire, même bien accessoirisé, ça fait trop cheap quoi. Donc après c'était un truc avec une petite fermeture dans le dos, enfin voilà. Donc je vous mettrai tous les prix, mais je crois que ça devait être aux alentours. La robe ça devait être même pas 7 euros, et le chemisier ça devait être dans les
3 € ou 4 €. Donc c'est sûr que pour ce prix-là, ils peuvent pas faire une qualité de dingue. Mais j'ai envie de dire, vaut mieux mettre plus cher, en avoir moins que ça, quoi. Hein? On est d'accord? Mais alors, le clou du spectacle, j'avais commandé une autre robe. Je m'étais dit, ouais, c'est le corail, moi j'adore le corail et tout, pour l'été ça peut être sympa, etc. Donc c'est une robe bandeau qui se présente comme ceci. Donc elle arrive, enfin je pensais qu'elle arrivait au-dessus du genou, bah, sur les photos c'était un peu le cas. Non mais en fait elle arrivera à la salle de jeu, hein. Donc autant vous dire qu'à moins de la mettre sur la plage, je ne vois pas quand est-ce qu'on peut mettre ça. Hein. Après chacun fait ce qu'il veut, hein. Et donc ça, c'était une taille, il n'y a pas la taille, XL aussi, donc c'est nickel, ça me va très bien. Donc en fait, la taille XL chez eux, ça correspond à 40, hein. Voilà, c'est très bien. C'est le genre de coupe qui en général me met bien en valeur, moi les côtés bustiers qui après part évasé, mais non, c'est pas possible. En fait ça, cette matière-là, c'est un espèce de satin immonde, enfin une matière satinée, et alors moi les matières satinées, enfin je déteste ça, c'est soit, ça fait beaucoup trop cheap pour moi. Ça, c'est un peu élastique, donc c'est un peu grand au niveau de la poitrine, parce que j'ai pas énormément de poitrine, mais j'ai des hanches larges, donc je suis obligée de prendre des grandes tailles. Bref, non, mais c'est pas possible. Et je vais vous le dire honnêtement, je vous recommande pas du tout ce site. Enfin, moi, personnellement, je ne commanderai plus, je recommanderai pas chez eux. Donc moi, j'ai pas payé les vêtements, mais je sais qu'ils m'avaient dit que voilà, ils souhaitaient m'envoyer des vêtements tous les mois. No way. No way. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment un site que je vous recommande absolument pas, c'est hyper cheap, etc. Donc par contre, je fais cette vidéo parce que justement, je sais que souvent, il y a plein de partenariats avec des youtubeuses, avec des sites chinois, etc. Et bah, il faut que vous puissiez faire le tri dans tous les sites qu'il y a, donc DressGal, no way. Je vous le dis et je vous le confirme. Voilà, c'est vraiment pas, je vous conseille absolument pas ce site. Alors effectivement, les prix sont vraiment pas chers et on se demande comment ils peuvent gagner leur vie, quoi. C'est juste pas possible. Après, pour l'envoi, ça a été très rapide. C'était par China Post et ça a mis, je pense, 15 jours, 3 semaines maximum. Mais voilà, quand j'ai reçu les vêtements, enfin, c'est hyper cheap, quoi. Et pourtant, j'ai l'habitude d'acheter aussi des vêtements pas chers comme Primark, mais ça n'a rien à voir, quoi. Je veux dire, là, on est vraiment sur la qualité médiocre de chez médiocre. Et honnêtement, les filles, enfin, je veux dire, il vaut mieux aller chez Primark et c'est à peine plus cher. Et voilà, vous pourrez vous faire des tenues beaucoup plus jolies. D'ailleurs, je vous l'ai souvent dit, c'est bien aussi d'assembler des différentes tenues et pas avoir forcément le total look site chinois parce que ça va faire mauvaise qualité et voilà, ça va se voir. Je vous le dis, moi, je le vois en général quand c'est vraiment cheap, ça se voit rapidement et puis ça fait pas une jolie tenue. Donc voilà, donc je ne vous recommande absolument pas ce site et je voulais quand même vous montrer ce que j'avais reçu et vous en donner mon avis. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.